Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Star Wars du République avec le soldat, avec autographe. Donc, on s'était arrêté juste avant. On devait aller sur Narshan. Je sais pas vous, mytho. Je sais plus du tout ce qui se passe sur Narshada avec le soldat. Peut-être là le dialogue avec l'holoterminal, ça va me rappeler des trucs, mais. Pour l'instant, j'ai aucun souvenir. Je vous mytho pas. Je sais même plus comment ça se passe. Lieutenant, ici le général Garza. Je vois que vous êtes arrivé sur Narshada. Oui. Avant tout, je tiens à ce que les choses soient bien claires. La situation sur Narshada est très délicate. Ok. Cette lune appartient au cartel des Hutt, qui prend sa neutralité très au sérieux. La République ne peut se permettre aucun incident. Je ne causerai aucun incident. Faites tout ce qu'il faut pour mener à bien votre mission, mais sans vous faire attraper. Maintenant, votre mission. Un droïde de guerre expérimental de la République a échappé à notre contrôle Ah, et c'est commet ça? des attaques sur Narshada. Le droïde s'appelle M1-4X. Et si vous voulez mon avis, il agit sous les ordres d'Aaron Tavus. On sait de quoi est capable ce droïde de guerre? Le droïde est un prototype très perfectionné. Il était développé pour servir dans l'escouade du Chaos. Le projet était censé être abandonné, mais on dirait que Tavus a simplement délocalisé son développement, certainement chez ses alliés de l'Empire Sith. Quels sont les ordres, général? Il faut mettre fin aux agissements du droïde avant qu'on fasse le lien avec la République. Un agent du service d'information stratégique va vous assister. Officiellement, vous apportez un soutien militaire à une opération du SIS. Ne parlez pas de la trahison de Tavus, ni du lien entre le droïde et cette affaire. Vous pouvez compter sur moi, général. Soyez prudent, lieutenant. Même si ce droïde est moins dangereux que ce qu'avaient prévu ses concepteurs, il vous donnera du fil à retordre. Terminé. Ok, je m'en rappelle de l'histoire du coup. Sais pas quoi vous dire. En fait, Maître, j'ai repéré la c'est meilleure toi le capsule droïde. de sauvetage pour votre usage personnel. J'étais en train de me dire que il n'y a pas beaucoup de. Enfin. De persos où les compagnons arrivent très vite, mais j'avais oublié que soldats, ça arrive très vite en fait. Genre là, on va récupérer un nouveau compagnon à la fin. Et j'avais totalement zappé que soldat. Genre, je viens à peine d'avoir Elera Dorn dans mon équipe que je vais avoir un nouveau compagnon. Est-ce que c'est pareil avec les autres classes? Empire. Non? S'il manque un personnage dans l'Empire. En plus, le compagnon est pas fou. Alors, les meilleurs compagnons quand vous jouez soldat, c'est clairement les deux premiers, je trouve. Elradorn et. Je sais plus comment il s'appelle, Arik Lorgan. Go rejoins Jonas. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Alors, le petit Jonas. Thank you.
Je sais pas si je dois. Non, normalement j'ai pas aller en bas. Ah ok, je m'en rappelle. Je crois que c'est là que je dois aller. J'aime bien me faire aller dans des cantinas. Ah, vous voilà. Allez-y, asseyez-vous. Et ne parlez pas trop fort. Jonas Balkar, c'est ça? Jonas, ça suffira. J'espère que la cantina vous plaît. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est bien située. Il y a une chambre forte pas très loin. Les mercenaires y gardent tous les objets précieux des gens assez riches pour payer. Notre ami commun est sur le point de leur rendre une petite visite. On a prévu une fête de bienvenue? Pas vraiment, non. Un groupe paramilitaire vient toujours repérer les lieux avant que le droïde attaque. Et ce groupe a été vu autour de la chambre forte. Vous pourriez y aller dès maintenant, mais je ne voudrais pas les effrayer. Ce serait dommage que notre invité d'honneur ne soit pas de la partie. C'est vous qui décidez, Jonas. Quand est-ce qu'on y va? J'ai des hommes qui surveillent la chambre forte. Dès qu'ils verront notre cible, la fête pourra commencer. Alors, vous faites partie du chaos, hein? Sympa de la part de Garza de nous envoyer ses meilleurs éléments. Je... Ah, excusez-moi. Jonas, c'était juste pour vous dire que j'étais arrivé sur Itor sans aucun problème. C'est parfait. Je vous recontacte plus tard. C'est le signal. La cible est dans la chambre forte. Vous êtes prêts? Que la fête commence. Occupez-vous du droïde. Je parie que vous serez revenu dans l'heure. Sans une égratignure. Bonne chance. On garde un œil sur vous. Ok. Alors. Voilà. Speeder. Et ça allait plus vite. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Allez. Des trucs qu'on n'a pas besoin. Apte au service. Regagnez votre poste. Et oui, très bien. Vous êtes des gros mythos, on sait jamais croiser. On approche. Alors cours.
Ok. Droit devant. Wow, la gifle qui m'a mis. D'XP. Contact ennemi. Oh, c'est fait gifler là. Dégager pour passer, ce sera plus rapide que d'attaquer les autres. Et Lara, bien joué. C'est ici ou c'est ici? On va passer là, dégager cela. Nous perdons notre temps. Toute une galaxie de crapules pervertis complote contre notre grande république, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de chercher des objets de valeur? Sois patient, Catrix. Nos missions coûtent cher. Le commandant Tavus nous a demandé de trouver des ressources. Mais je suis opérationnel depuis des jours. Toute la vermine impériale doit déjà être en train de menacer la grande république qui m'a créé. Vous savez que vous ne servez pas la République, hein? Contact. Sujet armé. À l'attaque et pas de pitié. Négatif. Sujet appartenant à l'armée de la République. Des héros dans notre guerre contre l'oppression. Bien. Écoutez, c'est une mission top secret. C'est le commandant Tavus qui nous envoie. Le commandant Tavus de l'escouade du Chaos. Ça vous dit quelque chose? J'en ai rien à faire. Lâchez vos armes ou vous êtes mort. Catrix, sécurise le chargement et suis-moi. Quant à vous, liquidez-moi cette ordure et retrouvez-nous à l'objectif 7. Négatif. Ceci est un acte de trahison. Le meurtre d'un allié. Code dérogatoire 558. Sécurise l'objectif et suis-moi, maintenant. Bien, capitaine. Je suis ton officier de commandement. N'écoute pas les ordres de cet homme. Négatif. Code dérogatoire 558. Obéir uniquement aux ordres du commandant Aaron Tavus ou du personnel désigné comme tel. Allons-y! Allez! Allez! Ouvrez le feu! Voilà, attendez. Déjà, par où est-ce qu'ils sont passés? Déjà là. J'avais un petit bug.
pas la caméra au bon endroit. Bien. C'était intéressant, n'est-ce pas? Vous savez où est parti le droïde? On a une très bonne piste. Les images de caméra n'étaient pas très nettes. Mais les complices du droïde semblaient porter l'uniforme réglementaire de la République. Malheureusement, nous n'avions pas le son. Savez-vous à qui vous avez eu affaire? Il faisait partie des forces spéciales de la République. Ils ont rejoint l'Empire avec Aaron Tavus. Merde! Pardon. Ça, il fallait pas le dire. J'ai pas vu que... Bien. Ça. Vous savez... On a une très... Les images de caméra, malheureusement... Désolé. Aucune piste sérieuse. Ce n'est pas grave. On le saura bien assez tôt. Nos hommes ont suivi le droïde et son complice. Ils viennent d'entrer dans une zone d'armes désaffectée du quartier rouge. J'ai une équipe qui s'est installée dans un entrepôt... On va jouer le jeu, quoi. Retrouvez-nous là-bas. J'y vais dès que possible. Restez vigilants. On ne peut pas dire que le quartier rouge soit l'endroit le plus sûr de la galaxie. À plus tard. Alors. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Un truc pour scanner les objets à Carrefour et un revolver. C'est pas mal ça. Rejoindre Jonas. Je suppose que c'est à la cantina que je dois le rejoindre. Une chance sur deux. Enfin, une chance sur plein d'endroits, mais... Je me sens confiant. Je sens que c'est là. Est-ce que c'était là? Aïe, aïe, aïe. Ce n'était point là. Vous pouvez pas me dire où c'est? Je vais me taper à tous les endroits jusqu'à ce que je... Bienvenue. Oh, c'était une zone que j'avais pas. Donc ça va. C'est pas très grave. Ok, on est arrivé. Voilà. Vous êtes sourd, je voulais des cœurs iridoniens. Ah ah, bon écoutez, ces choses commencent à sentir... Vous les voulez ou pas? Allez vous faire voir. Où est-il? Où est Jonas? Oula, il y a des gens partout. Vous voilà. Bienvenue chez Ravalement de Façade Balkar et Associés. N'hésitez pas à consulter notre nouveau catalogue. Vous quittez l'espionnage? J'ai pensé pouvoir être plus épanoui que dans le service d'information stratégique. Même si je perds tous mes avantages. J'ai une mauvaise nouvelle. Le droïde et son ami ont pris la fuite juste après notre conversation. Ils sont partis par un tunnel d'accès et ont tout fait exploser derrière eux. Il va nous falloir du temps pour les retrouver. Je vous signale qu'on manque de temps, Jonas. C'est pourquoi on doit se débrouiller avec ce qu'on a.
Peu importe qui sont ces types, ils ne travaillent pas seuls. Quelqu'un sur Narshada les aide, et il est temps de découvrir qui. Je parie qu'ils vont demander de l'aide si vous attaquez leur usine d'armes. Et leur appel nous mènera directement à ceux qui donnent les ordres. C'est un bon plan. Mettons-le en action. Mais chaque chose en son temps. D'abord, vous allez devoir placer ces mouchards dans l'usine pour qu'on puisse localiser l'appel de détresse. Ensuite, vous frappez à la porte et vous faites de votre mieux pendant qu'on cherche qui reçoit l'appel. Ça vous va comme plan ? Le moment est venu de semer la pagaille. Une fois l'opération terminée, on vous attendra ici. Amusez-vous bien. Merci, le ça. Alors, je vais voir s'il n'y avait pas une tenue pour... Ouais, les équipements de Elara ont l'air mieux pour nous. On va lui piller un peu ses vêtements, c'est pas très grave. Voilà, de toute façon, elle a toujours autant de flow. Et nous, on est un peu mieux protégés. Alors. Ah merde, c'était par là. Ah oui. Ouais. Je pensais qu'il allait reprendre le speeder. Bref, c'est pour ça qu'on est venu. Si vous voulez voir mon shop à Holocron, allez voir la vidéo dernier site, épisode Narshada, je sais pas lequel, 4 ou 5, un des deux. Je sais même plus. J'enchaîne tellement les épisodes que je sais plus. Combien on est exactement? Ah, c'est là, ok. On approche! Je suis large. Petit voleur de rue. Ah. Pas de voleur chez moi. Ok. Certainement. Ennemi en approche. Okay.
Parfait. Bip bip bip. D'abord, je s'occupais des droïdes. Ouah, calme-toi avec ton enfant, toi. Ah, l'arme est insupportable. Alors, heureusement, elle s'arrête au bout d'un moment. Faut pas attendre la fin du combat. On va s'occuper des mecs là-bas en attendant. Rejoindre Jonah. Si chez les toitures, je sais plus quoi, Balkar associé. Alors, je vous avais bien dit que vous alliez vous amuser. Au moins, cette opération correspondait parfaitement au lieutenant. Vous leur avez donné une bonne leçon. Et si nos mouchards ne se trompent pas, vous avez attiré un public très intéressant. Vous avez découvert quelque chose sur les complices du droïde ? Le signal d'alarme de l'usine nous a menés jusqu'à un endroit surprenant. Une suite du Casino Club Vertica. Nos pirates ont pu accéder aux ordinateurs de la suite. Ils appartiennent tous aux impériaux. Le droïde est à nous, mais ce sont les impériaux qui donnent les ordres. Aucun doute possible ? Oui. Et on dirait que le porte-monnaie des impériaux est bien plus fourni que le nôtre. Le Club Vertica est un endroit très fréquenté. Vous allez devoir entrer dans le casino et accéder à la suite sans la moindre goutte de sang. C'est là qu'intervient mon ami Nihal Piva. Nihal est notre meilleur pirate. Il va s'assurer que personne ne vous dérange jusqu'à la suite. Heureux de savoir que je suis digne de vos meilleurs éléments. Les forces spéciales nous ont donné leurs meilleurs éléments. C'est la moindre des choses. Le Club Vertica a une liste spéciale. Une liste des personnes autorisées à entrer et sortir comme elles veulent. Le boulot de Nihal consiste à vous ajouter à cette liste. Mais il a besoin de votre aide. Ah oui, le Club Vertica est très sécurisé. Le seul moyen de vous ajouter à la liste est de le faire de l'intérieur du système. Il y a une sous-station dans les sites industriels du niveau inférieur. Elle appartient au casino, et ses ordinateurs sont reliés au système. Vous allez devoir y faire entrer Nihal. Ce sera fait. La sécurité de la sous-station est élevée. Le casino a engagé les mercenaires les plus chers du marché. Bonne chance. Et bon, nouveau pentacourt. Waouh. Est-ce que tu n'oublies pas mon ancien pentacourt machine? Qu'est-ce qui est moche? Il est déjà unifié? C'est pas cool. Ah. Trouver Nihal. J'espère que le haut d'armure sera stylé. Bienvenue. Que... Veuillez choisir un. Parce que sinon, moi, pas content. Hein.
coup, ça a l'air joli, c'est là. Ah non, ça a pas l'air d'être là. On va qu'on fasse le tour. Non, c'est pas là. Ok, j'ai compris. Pourtant, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'était la promenade. On est obligé de passer par ce genre de tunnel? Faut croire. Oula. Ma conduite laisse un peu à désirer. Ah, ça doit être là. Je reconnais. Ouais, voilà, c'était sûr. Pas du tout. Je savais pas du tout que c'était là. En vrai, je comprends pas pourquoi Elara, elle soit pas contente qu'on dise pas la vérité, qu'il y a des traîtres et tout, alors qu'elle est très à cheval sur les ordres et tout, genre Gardin me donne des ordres. Et en plus, ça peut mettre... si ça fuite, ça peut être dangereux que, d'avoir que... Il y a des traîtres au sein des forces spéciales. Mais bon. Et la raille chelou. Ennemis en approche. Ah, ils sont pas en approche, ils sont morts. Ok. Par là. Ça va être compliqué d'éviter ce droïde là. On est un peu obligé de lui casser la gueule. C'est de lui casser la gueule sans attirer les droïdes derrière. Je vous aiderai. Je vous aiderai, mais tu me heal pas assez, ma petite. Hein. Ici, autrement dit, oups, pas. Je vous ai dit pardon, j'ai cogné le micro, mais pas le bon. Ah. Qu'est-ce que tu fais cacher, mec? Couvrez-moi et je me charge du reste. Sécurité incroyable. Très bien, très bien. Voyons ça. Bien, bien. Ok, parfait. Le premier protocole d'accès est passé. Maintenant, on doit juste faire quelques changements de données prioritaires pour masquer nos vraies opérations. Est-ce que ça veut dire que tout se passe bien? Pardon? Oh, oui. Ils utilisent le vieux 15R. Ça devrait pas être long. Je procède à quelques changements dans le système avant de vous ajouter à la liste. Ça devrait distraire leurs techniciens pendant qu'on opère. Rapport de revenus quotidiens, estimation des bénéfices annuels, profil VIP... Monsieur, ennemi en approche. Bosca, agua bosca, pugno. Mes amis... Contact ennemi. Moi aussi je peux le faire, moi aussi. Armure. Bam. Rien qu'il soit arrivé. Moi je sois. Je ne peux pas passer comme ça. Ok. 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 Voilà. Ça devrait être bon. Ça va faire l'affaire. Vous avez fait vite pour me mettre sur la liste, Nial. Hein? Ah non, j'ai pas fini. C'était juste le transfert de fonds. J'ai déplacé quelques crédits pour leur faire croire que quelqu'un a piraté les comptes du casino et qu'il ne vérifie pas la liste. Lieutenant, d'autres ennemis. Je vous ajoute à la liste spéciale. Ça ne va pas être long. Parfait. C'est parfait. Agua basca, pugno! Basca! J'ai pas déjà tué un de leurs capitaines? Mes amis!
Et oui, si on recycle les blagues, on les refait. C'est comme ça à la Empire et Carlotte Production. Maintenant ça et ça. Ok, c'est bon, j'ai fini. Bien joué, tu as un cookie? Je suis sur la liste spéciale, tout est ok? Ouais, tout est ok. Maintenant, allons-y. Très bien, très bien. Je peux le faire. Je peux le faire d'ici. Pfiouh. Merci. Merci de m'avoir couvert. Vous êtes vraiment le meilleur. Pas de problème. Vous feriez mieux d'aller au club Vertica, sur la promenade. Je vais dire à Jonas que tout s'est bien passé. Et prendre une semaine de vacances. Au revoir, et bonne chance. Mec. Ok, est-ce que ça veut dire se rendre au casino? Ah bah oui, c'est là-bas, Club Vertica. Allons-y. Quoi, ouais, Jonah? C'est Jonah? Bonjour, soldat. Nial vient juste de revenir, et il m'a raconté comment vous l'aviez couvert. Vous avez fait du bon boulot, tous les deux. Vous êtes sur la liste. Nos pistes sont couvertes et j'ai même accès à toutes les caméras du casino. Je vais pouvoir garder un œil sur vous et m'assurer que personne ne vous tombe dessus. Merci de surveiller mes arrières. Vous aurez besoin de toute l'aide nécessaire à l'intérieur. Vous mettez les pieds dans un endroit très dangereux, lieutenant. Interroger les impériaux sur le droïde est une chose, mais la République ne peut pas se permettre la moindre goutte de sang. Si quelqu'un doit attaquer en premier, ce ne sera pas moi. C'est tout ce qu'on vous demande. Une dernière chose. J'ai analysé les images de la chambre forte. J'ai entré les visages dans notre base de données. Ce qui est étrange, c'est que je ne les ai pas retrouvés dans les données impériales ou criminelles, mais dans les archives des forces spéciales de la République. Bizarre, hein? Si je fais ça, en vrai, je veux... Le commandant Tavus a rejoint l'Empire et de nombreux soldats des forces spéciales l'ont suivi. Wow, c'est encore pire que ce que je pensais. Vous savez pourquoi... En vrai, oh non, en vrai. Attends, non, en vrai, attendez. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Le commandant... Le général Garza m'a ordonné de ne pas en parler. Ah, évidemment. Bon. En vrai, ça va. C'est gentil d'avoir accepté de me le dire. On en reparlera plus tard. Rendez-vous dans la suite pour qu'on retrouve ces traîtres avant que les choses empirent. Bonne chance. Jonas, terminé. En vrai, là, je pense que c'est la meilleure solution de le dire que maintenant. Comment tu t'en sors, chérie? Bon, avant qu'il y ait une façon. Oh, ouais, si on était de vrais soldats, on pourrait pas, mais. C'est bon, c'est les agences de renseignement du. Du SIS. Comment? Écoute, accorde-moi 3 heures dans ce casino et je gagnerai suffisamment pour te racheter, promis. Le dialogue qui part hyper fort. Trouver quelques crédits? En vrai, on serait pas bon dans les forces spéciales. Genre, le premier mec gentil qui vient, je lui poucave tout. Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux. Je trouve qu'à ce moment-là, il n'y avait plus raison vraiment de cacher... Monsieur, on a de la visite! Non, impossible. Jetez votre arme, sale ordure de la République. Vous avez eu tort de venir jusqu'ici. Je ne suis pas là pour jouer. Rendez-vous où vous... Il faut pas que ce soit nous qui attaquons.
Excusez-moi, le réceptionniste a dû faire erreur. Vous n'avez aucune issue. N'essayez même pas de vous échapper. Dernier avertissement. Jetez votre arme et rendez-vous, maintenant. Si je voulais vous tuer, j'aurais exterminé tout le casino. Je suis là pour discuter. La discussion est terminée. Éliminez-moi ces vermines. Utilisez tous les moyens nécessaires. J'adresse. Ici Hendrik. On a les derniers chargements et on se dirige vers l'objet... Oh ! Qu'est-ce qui... La ferme, Hendrik ! Vous ne voyez pas qu'on est occupé ? Vous laissez vos patrons vous traiter de la sorte, Hendrik ? C'est à vous, mon patron. Ces impériaux ne sont que des intermédiaires. Des intermédiaires bientôt morts, à ce que je vois. Amusez-vous bien, Zardres. Au moins, j'aurai le temps de renforcer nos patrouilles pendant que vous et vos hommes vous faites massacrer. Quoi ? Ne soyez pas ridicule ! La situation sera réglée rapidement. Ouais. Vous serez bientôt morts. Et la situation sera à mon avantage. Content de vous avoir connu. Quel sale traître. Je veux juste savoir où est ce droïde de guerre. Pas la peine de se battre. Vous êtes malade? Pourquoi est-ce que je vous le dirais? Hendrik est peut-être une ordure, mais ses activités avec le droïde sont utiles pour l'Empire. Je ne peux pas vous laisser gâcher son travail. En vrai, j'aimerais bien essayer de les manipuler. Hendrik n'est pas loyal envers vous et l'Empire. Il va vous trahir, comme il a trahi la République. Vous avez raison. Hendrik est une ordure indigne des ressources que l'Empire lui offre pour sa sécurité. Vous trouverez le capitaine Hendrik et M1 Catrix dans un bâtiment de la Ville de l'Ombre. Il est en train de libérer tout le potentiel du droïde. Le noyau énergétique de la machine est bien supérieur à ce que vos scientifiques avaient prévu. Bientôt, M1 Catrix aura des armes et des boucliers plus puissants que n'importe quel droïde. On dirait que je vais devoir me dépêcher. Vous arriverez trop tard pour stopper le droïde, mais vous pourrez peut-être tuer Hendrik, ce qui me conviendrait parfaitement. Maintenant partez. Vous avez ce que vous vouliez. Partez avant que je change d'avis. Oh, et dites au capitaine Hendrik que je suis content de l'avoir connu aussi. Ils sont mignons, la rivalité. Lieutenant, ici Jonas. Je vous ai vu parler aux impériaux. Personne n'a tué personne. C'est plutôt bon signe. Avez-vous découvert où notre droïde était parti? Le droïde est dans un bâtiment de la Ville de l'Ombre. Je répète, la Ville de l'Ombre. Fantastique. Je savais que je pouvais compter sur vous. La Ville de l'Ombre est l'endroit où l'Empire détient les gens trop utiles pour être tués, mais trop dangereux pour se balader dans la galaxie. C'est un endroit dangereux et très bien gardé. Réussir à y pénétrer ne sera pas de tout repos. Je resterai sur mes gardes. Je vous fais confiance. Entrez, éliminez le droïde et sortez-vous de là. Ça sera suffisant. Ok, voyons voir cette nouvelle armure. Ok, ça va. Elle est un peu dégueu, mais ça va. Je vais remettre Harry. Comme vous voudrez. Jordan. Paré au combat. Oh. Qu'il soit lui aussi en orange. Debout. Voilà. Compris. Je suis là. Faut entrer dans la Ville de l'Ombre, elle est en bas. Reste épée là. Enfin, je crois qu'elle est en bas, la Ville de l'Ombre. Pas sûr du tout. Bienvenue. Ouais, elle est en bas. Veuillez choisir un itinéraire disponible. En vrai, quand je sais pas, sur l'achalage, je devrais me retaper au centre, puisque tous les points ont l'air de passer par le centre. Ça peut être plutôt pratique. C'est dommage qu'ils puissent pas unifier les couleurs directement. Ah si, ça unifie, j'ai rien dit, pardon. Ils sont stylés les casques. Ça fait un peu... Ni Stormtrooper, ni phase 2 des clones. Oula, c'est loin. Là.
Vous abusez pas un peu, monsieur. Contact ennemi. Oui, on est d'accord, vous abusez. Ok, c'est vrai qu'il abuse à vouloir courage. Ça devrait aider. Je ne tiendrai pas longtemps. T'inquiète alors. Au secours. On va ne me laissez pas tomber. Non, je ne serai pas tombé. On va s'en tirer. Au moins un peu confiance, merde. Toi qui me sens pas assez. On va oublier de prendre un medipack. Merde, j'ai tiré sur les pauvres prisonniers. Oui, alors, il n'y avait aucune raison de paniquer. On s'en sortait très très bien. C'était par là qu'il fallait aller. On attend. J'étais juste en train d'hésiter sur le chemin. Oh non, Gérard. Moi ça fera vite fait. On va activer le boost d'ailleurs. Lui en plus qui possible. Ah non, c'est pas. Okay. On fait de la bagarre. J'accepte de vous affronter, oui. C'est pas plus simple que l'autre à côté. Contact ennemi.
Moi aussi, je suis un peu obligé de passer. Ok, c'est pas ça. Enfin, passé. C'est parti. Ouais, non. Je pose la dernière zone. Je suppose que les deux derniers ça doit être tabassant. Ah, vous voilà. Un peu plus tard que je ne le pensais, pour être honnête. Il vous a vraiment fallu tant de temps pour éliminer Zardress et ses hommes? Peut-être qu'on exagère votre sujet. Les impériaux m'ont dit exactement où vous trouvez, Andric. Vous auriez dû être plus poli avec eux. Quelle bande de lâches! J'aurais dû m'en douter. Vous me donnez envie de vomir. Vous avez tué de bons éléments. Tout ça parce qu'une ordure vous a dit sur Coruscant que c'était des traîtres? Vous vous trompez de combat. Quand vous vous videz de votre sang dans les tranchées d'une maudite planète, c'est pas le haut commandement qui vient vous sauver, c'est le type à côté de vous. C'est pas le haut commandement qui m'a tendu une embuscade sur Horde Mantel, c'est le type à côté de moi. Bam! Oh là là, la punchline. Vous avez vu la même chose que moi. Un simple esclave sans intérêt, indigne du rôle qu'on lui a confié. Qu'est-ce qu'il a, Optimus Prime? Oula. Sale vermine. Le processus de chargement est terminé. Tous les systèmes sont opérationnels. On dirait que votre heure est venue, lieutenant. Si vous avez une dernière... Lieutenant, vous avez réussi. Je savais que ces adorateurs de l'Empire ne pourraient pas échapper longtemps à la justice de la République. T'es toujours obligé de suivre les ordres d'Andric? Malheureusement, ma programmation m'oblige toujours à obéir au capitaine Andric. Ce lâche m'a naturellement ordonné de vous tuer. Être utilisé de la sorte contre les meilleurs agents de ma chère République me répugne. J'aurais préféré ne jamais avoir été activé. Tu n'as jamais choisi d'être un traître. Par choix ou non, j'agis comme un traître. Ça ne vaut pas mieux qu'une destruction sommaire. Assez discuté, finissons-en. Lieutenant, sachez qu'il faudra plusieurs dizaines d'années de tirs soutenus à votre arme pour transpercer mes boucliers actuels. Étant donné que la formation des forces spéciales est la meilleure de la galaxie, j'ai bon espoir que vous trouviez une solution pour me détruire. Peut-être que mes pouvoirs d'héritage vont m'aider. Bonne chance. Maintenant que j'y pense, pourquoi ne pas tuer Andric et ses hommes? Essayez un peu. Feu à volonté! Attends, elle est pas possible du coup la quête bonus, genre il y avait vraiment pas assez de dégâts. Ben, ouais. Voilà.
Ah non, mais ok, attends, il doit y avoir, ok. D'abord désactiver ça. Ouais, le combat est stylé. Ah, il prend les dégâts. Vas-y, je vais profiter. J'ai besoin de désactiver deux trucs. Lieutenant, je fais partie du SIS. Vous allez bien? Vous avez besoin de soins? N'ai plus besoin de renfort, le combat est terminé. Oui, oui, je vois. Cet endroit ressemble à un vrai champ de bataille. On est ici pour nettoyer tout ça et on doit s'assurer qu'il ne reste rien d'intéressant à récupérer. Vous avez fait du bon boulot. Jonas vous attend à l'ambassade de la République sur la promenade. Il a demandé à ce que vous le retrouviez pour parler de la mission. Je pars pour l'ambassade sur le champ. Content d'avoir pu vous rencontrer, lieutenant. Et encore une fois, beau boulot. Messieurs, merci. Au boulot. Formation standard. J'ai vraiment besoin d'une formation pour faire ce que vous faites. Enfin, d'une formation militaire. J'ai formation militaire, c'est déplacement. La promenade, il a dit. Ouais, sûrement. Ah, ça doit être dans la cantina, je suppose. Ça. Enfin, c'est quasiment au même endroit, mais ce n'est pas la cantina. C'est pourquoi vous n'auriez jamais dû nous le cacher. Comment voulez-vous que le SIS travaille correctement si vous nous mentez? Ah merde. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, agent Balgar. Je mène les affaires des forces spéciales comme je l'entends. Trahison? Désertion massive? Vous êtes en train de couvrir une menace pour toute la République. Me revoilà. La mission a été une réussite. Ah, elle va me défoncer. Ouais, l'opération. On était justement en train d'en parler. Qu'est-ce qui vous prend, lieutenant? Je vous donne des ordres et vous les ignorez. Pardon. Ce n'est pas donné à tout le monde de trahir ses alliés, général. Certains ont encore une morale. Ah, ça va lui au moins. Vous parler de la trahison ne nous a été d'aucune utilité pour l'opération. Montrez un minimum de respect pour les personnes... Non, attends, tu ne peux pas me fâcher avec Jonas et le SIS, ça me fait peur en vrai. C'est trahison. Oui. Qu'est-ce qui vous... Ce n'est pas de... Il est de notre responsabilité d'être honnête avec nos alliés. Il est de votre responsabilité de m'obéir. Oui, pardon, général, je recommence plus. Cette discussion est terminée. Lieutenant, contactez-moi depuis votre vaisseau quand tout sera réglé avec Emma Catrix. Garza, terminé. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler avec cette femme. Ah bah moi non plus, je sais pas. Le travail a été fait. Et ce n'était pas une mince affaire. Vous avez bien mérité votre récompense. Je n'ai fait que mon devoir, Jonas. Rien de plus. Malgré votre modestie, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas y échapper. Et voilà, une Twi'lek de compagnie. Le droïde de guerre de la République M14X doit être réparé et immédiatement confié à l'officier de commandement actuel de l'escouade du Chaos. Non, c'est bon. Voulez-vous rencontrer le nouveau membre de votre escouade, lieutenant? Absolument, Jonas. Allez, suivez-moi. J'ai pas d'autre choix que dire oui. Ils sont arrivés voilà, plus vite que moi. Voilà, tout devrait être en ordre. Je vais l'activer maintenant. Diagnostic terminé. Tous les systèmes sont opérationnels. Unité M14X au rapport.
Vous êtes doués, les gars. Pas la moindre rayure. Content que ça vous plaise. Vous ne nous avez pas facilité la tâche. Lieutenant, je suis très heureux de vous voir. Vous avez fait un travail extraordinaire pour me désactiver. Les soldats de la République sont bien les meilleurs de la galaxie. Je suis très honoré de combattre aux côtés d'un aussi grand soldat de la République. Ensemble, nous exterminerons toutes ces vermines de l'Empire Sith. Je suis très heureux de t'avoir à mes côtés, 4X. C'est un plaisir de combattre à nouveau pour la liberté et la démocratie, lieutenant. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, lieutenant. J'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera en de meilleures circonstances. On forme une belle équipe ensemble, Balkar. Je ne sais pas. Quand je vois tout ce qu'on a détruit sur Nar Shaddaa, je me dis qu'il serait préférable de travailler plus ensemble, pour le bien de la galaxie. À bientôt, lieutenant. Il est pas sympa, mais à la fois c'est drôle. Ok. Go to the spatiopod. Notre joli petit vaisseau. Ah, lieutenant, vous voilà. Est-ce que je dois vous répéter à quel point je suis déçu que vous ayez désobéi aux ordres en parlant au SIS des trahisons au sein des forces spéciales, ou j'ai été suffisamment clair? Vous avez été assez clair, général. Ça ne se reproduira plus. Heureuse de vous l'entendre dire. Concernant la mission en elle-même, je suis satisfaite. Vous avez déjoué les plans de Tavus pour MA4X, et vous avez retourné la situation au profit de la République. Bien joué. Tant que je n'aurai pas localisé Tavus, je ne serai pas satisfait. Moi non plus, lieutenant, mais ce n'est qu'une question de temps. Quoi qu'il en soit, vous avez failli plonger toute la galaxie dans une guerre pour accomplir votre mission. Essayez d'éviter ce genre de choses à l'avenir. Je ferai plus attention à l'avenir. Ok, je viens de recevoir... Par contre, j'ai tué personne, c'est bon. Je veux mettre le chaos sur le coup immédiatement. C'est Tavus. C'est Tavus. Lui et une unité de commando viennent d'attaquer un centre de recherche fortifié de la République sur Kularin. Ils ont volé le prototype d'un système de camouflage. Mais l'appareil est équipé d'un mouchard caché. Nous connaissons maintenant l'emplacement exact du vaisseau de Tavus. C'est tout, lieutenant. Je peux rejoindre la position de Tavus immédiatement, général. Le vaisseau de Tavus est seul dans un secteur isolé de l'espace, certainement pour retrouver un vaisseau plus important. Vous devez vous y rendre avant que ça n'arrive, lieutenant. Je m'y rends sur le champ. C'est Aaron Tavus en personne, lieutenant. Si vous réussissez, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Quels sont les ordres, général? On le capture ou on le neutralise? Il pourrait nous être utile en vie, mais ne prenez pas de risques. Il ne faut pas laisser Tavus s'échapper. Veillez à sécuriser le prototype du système de camouflage après en avoir fini avec Tavus. S'il tombait entre les mains de l'Empire, ce serait un désastre. Je vous transfère les coordonnées. Infiltrez-vous dans le vaisseau de Tavus, puis faites le nécessaire pour le neutraliser et récupérer le prototype. Bonne chance. Terminé. Hop là, niveau 21. Bon, malheureusement, l'épisode où on va attraper Tavus sera le prochain. Donc on se retrouve très vite dans le prochain épisode où on va sûrement capturer Tavus. J'espère que c'est là. Allez, sur ce, bye.